Chapitre 1. Nous avons marché, lui et moi, jusqu'aux oliviers. Il y en avait trois et de petits chênes verts. À l'horizon, à l'est et au sud, on voyait les crêtes des montagnes. Et sur les deux autres côtés, c'était assez vaste pour que les limites de la parcelle ne soient pas perceptibles. Le gaillard m'en avait proposé une autre, d'où l'on voyait la mer. Et je lui avais répondu que je ne voulais pas voir la mer. Je la vois assez tous les jours. Et tant qu'à être dans la montagne, autant voir les sommets. Et dessus, la nuit, le baldaquin du ciel et son balai d'étoiles. Je crois qu'il ne comprenait rien à ce que je lui disais. Il était sanglé dans une sorte de gilet et dessous, une chemise boutonnée jusqu'au menton, alors qu'il commençait à faire chaud. Lorsque nous avons dépassé les oliviers, marchant dans les herbes sèches, qui cachaient parfois les restes de sillons durcis, en direction des ruines d'un petit cabanon que j'aurais envie de faire restaurer, il m'a demandé s'il était envisageable que je lui paye en cash. J'ai éclaté de rire, en lui demandant d'où il pensait que je pourrais lui trouver des dollars en cash. Il n'a pas commenté. Nous étions convenus d'un règlement par chèque. Il a juste tenté sa chance. Il y a quelques jours, j'ai interrogé Jade sur les raisons qui poussent certains propriétaires à vendre des biens contre des chèques bancaires. Et il m'a répondu que c'est le plus souvent parce qu'ils ont des dettes qu'ils souhaitent rembourser au plus vite avant l'effondrement complet de la livre. Moi, en revanche, je ne veux plus avoir un sou à la banque. À mon retour, Marianne m'a annoncé que la machine à laver faisait un drôle de bruit. Et en effet, elle faisait un bruit inquiétant. Une espèce de claquement régulier, presque cadencé, au rythme des tours du tambour. Je l'ai pourtant fait réparer il y a quelques jours, avant-hier même. J'ai appelé le réparateur qui n'a pas répondu, évidemment. Ces détails du quotidien sur lesquels nous sommes impuissants m'agacent et me mettent en colère. On se met vite en colère ces temps-ci. Sur les réseaux sociaux, la même chose, inlassablement, jusqu'à la nausée. L'effondrement économique. La ruine du pays. Le contrôle des capitaux. Les taux de change et la livre en chute libre. L'inflation, la pénurie qui guette. Chapitre 3, 1er juillet. Je passe ma journée à courir d'une banque à l'autre, à convertir des dollars en livres selon le taux officiel, puis à comparer ce dernier à celui des banques, puis à celui des changeurs, puis à celui du marché noir, à faire des calculs, à planifier des dépenses moitié en chèque, moitié en liquide, avant de m'embrouiller et d'envoyer tout paître. Ma femme m'a dit l'autre jour que si l'ensemble de la population déployait plus utilement une part seulement de l'énergie qu'elle met à essayer de se dépêtrer du piège où elle est prise à cause de la banqueroute de l'État et des banques, on parviendrait à redresser le pays en 48 heures. Chapitre 5, 2 juillet. Le hasard a quelque chose de romanesque, voire de tragique. C'est il y a 100 ans exactement, en 1920, que l'État libanais a été fondé. Et on ne peut que rester rêveur devant l'ironie du sort qui fait advenir la ruine d'un pays à la date même de sa naissance. Et au moment même où l'on s'apprête à en célébrer le centenaire. Jusqu'où remonter sur ces 100 années dans la généalogie du désastre. Merci Violaine Schwartz, merci Pierre Beau. Vous allez nous accompagner tout le long de cette rencontre avec d'autres extraits, d'autres lectures du livre de Sharif Majdalani, que je salue. Merci d'être avec nous, de nous rejoindre à l'Institut du monde arabe, vous à Beyrouth, nous ici, nous étant à la fois le public qui est là et qu'on est tellement heureux de retrouver, et le public qui est là dans cette salle de la bibliothèque de Lima, et puis Pierre Beau et Violaine Schwartz,
qui sont à mes côtés, et toute l'équipe qui a organisé cette rencontre et qui veille au bon déroulement. Si la technologie nous assiste et ne nous trahit pas, nous irons au bout de cette heure de rencontre. Et puis, bienvenue aussi au public qui peut nous suivre en direct sur Facebook. Nous allons donc passer une heure ensemble, Sharif Majdalani, et je m'en réjouis. J'ai regardé ce matin la météo quand je me suis réveillée, non pas celle de Paris, parce que là, il suffit de regarder par la fenêtre, mais celle de Beyrouth, et j'ai vu des disques jaunes tous les jours de la semaine, beau fixe sur Beyrouth pour les 10 prochains jours. Et je me suis dit, mais voilà, peut-être quelque chose de stable dans le pays. Oui, en effet, oui. Est-ce que c'est vrai, d'abord ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous êtes sous le soleil ? Oui, là, maintenant, le soleil va rester comme ça, stable, jusqu'à fin octobre, probablement. Et effectivement, c'est peut-être une des choses qui permet aussi de tenir le coup, même si je ne sais pas jusqu'à quel point il faut tenir le coup de manière si inerte. Mais en tout cas, oui, il fait très, très beau. C'est un luxe, effectivement, mais un luxe dans un désastre tel qu'on finit par ne plus le remarquer, d'ailleurs. Oui, parce que quand on entend les premières pages de votre livre, Beyrouth 2020, journal d'un effondrement, qui a été publié l'an dernier, à l'automne, enfin de l'été, début de l'automne à Paris, aux éditions Actes Sud, on se rend compte qu'il y a une vision idyllique, puisqu'on commence au milieu des oliviers, des chênes verts, dans la montagne libanaise. Et en même temps, il est question de désastre, jusqu'à cette généalogie du désastre que vous essayez de reconstituer. Mais je veux dire juste deux mots pour vous présenter, parce que je pense que tout le monde ici vous connaît. Vous êtes l'auteur de 7 romans à ce jour, 7 romans parus aux éditions du Seuil. Mais le livre qui va nous occuper aujourd'hui, ce n'est pas un roman. Son sous-titre le dit, c'est « Journal d'un effondrement ». Et ma première question, ce sera, est-ce que vous aviez une pratique de l'écriture diaristique du journal, et quel était le but premier quand vous avez décidé de commencer un journal à la date du 1er juillet 2020 ? Non, à la vérité, je n'ai jamais écrit de journal, c'était tout à fait par hasard. Et d'ailleurs, à l'origine, justement, je n'ai jamais écrit de journal. C'est pas du tout dans mes habitudes, dans mes réflexes. J'ai jamais écrit de mémoire, de souvenirs. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'en fait, même lorsque j'ai commencé ce livre, l'idée c'était de faire une sorte de quelque chose qui serait plutôt une fiction. Je venais de terminer un roman, en fait, que je ne voulais pas publier tout de suite, et d'ailleurs qui va paraître en août prochain. Et en attendant, comme il était terminé et que je l'avais envoyé à l'éditeur, et comme dans n'importe quel écrivain, vous allez le savoir aussi, on n'arrête plus d'écrire. Hein, on n'arrête pas d'écrire, on a tout le temps besoin d'écrire. Et donc, je me suis mis à écrire et j'avais envie de raconter, comme ça, pour me distraire d'une certaine manière, et aussi pour conjurer la rage qui commençait à bouillonner en moi, comme dans tous mes concitoyens, raconter le quotidien dans lequel nous vivions. À l'époque, qui était encore surréaliste. Là, il est devenu beaucoup plus tragique, là, mais il a été complètement surréaliste. C'était des choses absolument invraisemblables. Un pays qui s'effondre et on continue à vivre comme si de rien n'était, entre guillemets, bien entendu. J'avais ce sentiment qu'il y avait quelque chose là-dedans de romanesque, quelque chose qui pouvait être racontable. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le raconter sous la forme d'un journal, quelqu'un qui raconterait ses journées. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Et je me suis aperçu qu'au bout de deux ou trois fragments, que ce que j'ai raconté, ce n'était rien d'autre que ma propre réalité, au sens le plus strict du terme. Et je me suis dit, pourquoi mettre ce qui m'apparaissait comme un journal, mais fictif. Donc un procédé narratif, mais d'ordre de la fiction et du roman, sous forme de journal. Pourquoi faire ça alors que tout ce que je raconte n'est immédiatement la réalité ? Il suffisait de changer les noms fictifs des personnages et mettre les vrais noms des gens pour qu'on se retrouve dans un journal. Et du coup, je me suis dit, bon, faisons un journal. Mais c'était vraiment à l'origine comme
une volonté simplement de faire quelque chose, de construire quelque chose face à l'effondrement général. Et puis progressivement, c'est devenu ce livre. Alors, il faut préciser qu'il ne s'agit en aucun cas d'un journal intime, au sens où on s'attendrait à des épanchements, ou à une introspection, ou même à une forme d'égotisme, comme dirait Stendhal, c'est-à-dire d'analyse de sa propre personnalité, autant morale que physique. C'est un journal ouvert dans lequel vous faites entrer une foule de personnages. Vous n'êtes jamais seul, finalement. Jamais seul. Quand vous êtes dans votre voiture, c'est l'automobiliste à côté qui attire votre attention. Là, dans la montagne, vous êtes avec ce type qui veut vous vendre, qui essaie de vous vendre, qui vous propose donc ce cabanon. Et vous n'êtes jamais seul. C'est un journal collectif. Absolument, tout à fait. Vous l'avez dit, parce que effectivement, le terme de journal. Et les gens qui n'ont pas lu, qui disent « Ah, ton journal », une des choses que je leur dis, pour qu'ils ne soient pas découragés éventuellement par la lecture du livre, c'est le fait que c'est effectivement absolument pas un journal au sens plus traditionnel du terme. C'est pas un journal sur moi, en fait. C'est pour ça que le titre le dit, c'est un journal de l'effondrement, c'est-à-dire le jour, non pas de... C'est pas ma vie au jour le jour, c'est un univers entier qui s'effondre et dont je raconte l'effondrement au jour le jour. Et évidemment, la meilleure manière de le raconter, c'était de raconter l'épreuve que vivaient les gens, moi évidemment, bien sûr, ma famille immédiate, et puis les gens autour de moi, les gens qui viennent chez moi, les gens que je rencontre dans la rue. Et donc l'idée, c'était effectivement de faire un journal collectif, c'est-à-dire de raconter l'histoire de tout le monde. Et finalement, l'épreuve que je vivais, moi, était celle que vivait aussi bien le réparateur de climatiseur que mon concierge, que les gens dans la rue, ou que les membres de ma famille. Et donc, c'était effectivement l'idée de raconter cela à partir de beaucoup de regards, beaucoup d'histoires, d'anecdotes, mais qui concernaient l'ensemble de la population. C'est vraiment un journal collectif, hein, c'est évident. Alors, il y a d'ailleurs, dans ce journal, deux fils, je crois, qui s'entrecroisent. Vous êtes dans le rôle de l'observateur, du témoin et de l'acteur. Et ces deux fils que vous développez tout le long du livre. D'un côté, c'est la vie politique, passée et présente du pays, du Liban. C'est l'éclairage historique que vous apportez à grands traits, mais très efficace, pour que le lecteur soit un peu au courant de l'histoire complexe de votre pays. Et l'autre fil, ce sont justement, vous voulez le dire, les détails de la vie quotidienne, de tous les jours. Et donc, d'un côté, 100 ans de l'histoire du Liban, et d'un autre côté, ce que vous appelez la banalité quotidienne de Beyrouth, mais enfin, bon, banalité avec je ne sais pas combien de guillemets, parce que j'imagine qu'à Beyrouth, le quotidien ne peut pas avoir le même sens de banal que dans un autre pays. Oui, c'est la routine. En fait, j'ai décrit une routine qui devient tout à fait autre chose que la routine, les choses qui se répètent, parce que même les choses qui se répètent se répètent de manière tellement différente à chaque fois, tellement de manière cocasse, mais alors cocasse, c'est parfois drôle, mais parfois aussi extrêmement rageante. Donc c'est effectivement ça. Alors les deux fils, je les ai voulu, bien entendu, pour une raison simple à l'origine, c'est que j'avais moi-même besoin de comprendre, et comme n'importe lequel de mes concitoyens en réalité, d'essayer de remonter pour essayer de comprendre à quel moment finalement on a commencé cette espèce de à quel moment s'est déclenchée la machine infernale qui nous a conduit au désastre. Et évidemment, en remontant progressivement comme ça, je me suis aperçu que ça remontait à 100 années, c'est-à-dire le moment où dès qu'on a construit l'État, les fondements de cet État-là étaient porteurs du désastre qui allait venir. Alors évidemment, on aurait pu arranger, personne n'a rien arrangé, au contraire. Donc j'avais besoin en même temps, simultanément, de remonter dans le temps pour comprendre pourquoi on en était là et de raconter c'est-à-dire l'ici maintenant. Et donc j'ai fait en sorte de croiser ces deux éléments. Alors bien sûr, il était destiné, alors quand je vous entends, je comprends très bien ce que vous dites, c'était pour faire comprendre, bon, évidemment, l'histoire et les raisons pour lesquelles nous en étions arrivés là, à un public très très large, bon, évidemment, dans le public français et francophone. Maintenant, mon livre traduit en anglais, mes éditeurs anglais et américains ont demandé que je mette une préface, parce que ça n'a apparemment pas suffi à expliquer
à un public encore plus éloigné, évidemment, et moins concerné à toutes ces choses-là. Mais le but était donc de faire comprendre, effectivement, à quelqu'un, un public qui n'était pas nécessairement le public libanais. Mais ce dont je me suis aperçu, en fait, c'est qu'un nombre considérable de mes propres concitoyens a réussi à suivre et à être d'accord avec ma remontée généalogique, mais en même temps à découvrir effectivement des choses dans la lecture très brève que je faisais de notre histoire. Donc l'efficacité de cette remontée généalogique était aussi perceptible ici même. Et alors, je ne vous dis pas le nombre de jeunes gens, d'étudiants, de gens de jeunes générations, qui, eux, ont découvert effectivement tous les liens, parce qu'en finalement, c'est une histoire morcelée, l'histoire du Liban, et qui, à chaque moment, évidemment, chaque moment participe du désastre à venir. Et ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est de les lier les uns aux autres, et montrer combien nous sommes dans une continuité sur 100 ans qui devait amener au désastre. Et c'est ces liens que j'ai fait entre une époque et une autre qui a apparemment été très éclairante, même pour mes concitoyens. Donc, effectivement, le but était d'éclairer, mais d'éclairer pour moi-même, hein, c'était une sorte d'auto-inspection de l'histoire, une relecture de l'histoire que je fais dans mes livres en général, dans mes romans, mais que j'ai voulu faire ici de manière beaucoup plus crue, et évidemment alternant avec des histoires du quotidien, parce que sinon ça n'avait plus vraiment beaucoup d'intérêt. Alors vous vous décrivez, dans une vidéo que j'ai vue, vous vous décrivez comme l'enfant des 30 Glorieuses, cette époque presque mythique d'un Liban qu'on appelait la Suisse du Moyen-Orient, tellement on lui reconnaissait une capacité à survivre, à neutraliser tous les conflits. Donc un enfant des Trente Glorieuses, de la République libanaise, le jeune homme des temps de guerre, donc la guerre du Liban, et l'homme mûr de l'après-guerre et de ses avatars. Et donc c'est chargé, je dirais, de toute cette histoire que vous entreprenez de tracer cette généalogie du désastre. Et quand je dis chargé de toute cette histoire, ce n'est pas que vous ayez un âge canonique, mais c'est que peut-être quand on est Libanais, on vit d'une manière, je ne sais pas, l'histoire vous habite à tout instant, et c'est un concentré d'histoire. Oui, en fait, oui. Je vois bien la vidéo à laquelle vous faites allusion. Au début, je ne me rappelais plus avoir dit ça, mais c'est absolument, je l'ai dit parfaitement. C'était une vidéo dont le sujet était survivre. Absolument, mais c'était justement ça, le fait de finalement de survivre à de nombreuses époques. Et l'idée était que de montrer que, alors, et exactement ce que vous dites, c'est que finalement, on peut vivre très peu de temps dans un pays comme celui-là et vivre des transformations considérables, des changements d'époque, et donc des passages d'une époque à une autre. Et ce qui m'a toujours, moi, intéressé dans l'histoire que j'observe, c'est le sujet de la plupart de mes livres, c'est précisément ces basculements, ces fins d'époque, ces fins de civilisation, ces fins de culture, et la naissance de quelque chose d'autre à leur place, avec évidemment le récit des manières avec lesquelles les humains, les hommes en général, accompagnent les changements, y résistent, ou bien sont emportés par eux. Et donc j'ai beaucoup raconté ça, et je ne m'apercevais pas en écrivant ce livre qu'en définitive j'étais en train de faire la même chose. Parce que ce que j'ai toujours décrit, c'était la fin de la Première République libanaise et puis la guerre, ou alors le passage d'un Liban, de ce Liban des Trente Glorieuses à un Liban tout aussi glorieux, mais beaucoup plus corrompu que celui d'aujourd'hui. Et là, ce que j'étais en train de raconter dans ce livre-là, c'est la fin de ce Liban-là, et encore une fois, la transformation et les changements et le basculement. Donc ce qui m'intéresse, c'est les basculements d'une époque dans une autre. Et ce que j'ai toujours dit quand je parlais de mes autres livres, en fait, c'est effectivement que le Liban est un... Et ceux qui y habitent, du coup, comme moi, même sans avoir d'âge canonique, je pense que même, finalement, des gens un peu plus jeunes ont eux-mêmes déjà vécu au moins deux périodes de ce pays. Ce que j'ai toujours dit, c'est que le Liban est un pays, une espèce pour quelqu'un qui s'intéresse au changement comme ça, c'est vraiment un laboratoire, entre guillemets aussi, parce que c'est un endroit où il s'est passé énormément de transformations, de changements, d'époque, de temps, de paysages. Vous n'avez pas idée, le paysage, combien le paysage a changé, combien les villes changent, mais à vue d'œil. Et quand un Libanais, moi, quand je vais en Europe, je suis toujours stupéfait et heureux et en même temps très perplexe, mais je m'y suis habitué, de voir que finalement, quand je retourne dans une ville où j'étais il y a 30 ans en France, de voir les mêmes cafés au même endroit, de voir les mêmes arbres au même endroit, c'est une chose absolument extraordinaire. Mais pour nous, c'est une chose absolument inenvisageable. Et du coup, alors, vous imaginez ce qui se passait il y a 50 ou 60 ou 80 ou 100 ans, c'est énorme.
Et donc, le Liban est un laboratoire des transformations, des changements, et c'est un laboratoire aussi de la manière avec laquelle les hommes résistent aux changements, ou les accompagnent, ou les refusent. Et c'est ce qui m'a toujours intéressé. Et dans ce livre-là, je me suis aperçu en l'écrivant qu'en fait, je ne faisais qu'écrire encore une fois la même chose, sur une nouvelle période, mais cette fois-ci, je suis en train de vivre moi-même et sans savoir dans quoi on bascule. Donc, j'ai toujours décrit les basculements, sachant d'où vers où on basculait. Et là, pour la première fois, je raconte un basculement, mais réellement sur le vif, sans savoir vers quoi, dans quel gouffre on tombe, en fait. Alors, avant d'arriver à ce moment charnière dans le livre, dans le journal, encore un instant sur cette généalogie du désastre. Est-ce qu'il y aurait une faute originelle? Est-ce qu'il y aurait un vice caché, comme on le dit pour, je sais pas, pour une maison qu'on achète, justement? Est-ce que c'était au moment même de l'accord de Taif en 89 qui mettait fin à 15 ans de guerre civile avec intervention de puissances étrangères régulière et ponctuelle? Donc, est-ce que c'est là où il y avait quelque chose de vicié? Et est-ce que c'est la République pluriconfessionnelle qui est en question? Ou est-ce que c'est l'application de quelque chose qui a été établi dans des traités, mais la mise en acte n'a pas été la bonne? Qu'est-ce qui fait que le désastre a lieu depuis des années et des années? J'aime bien la faute originelle comme vous employez, ça m'était jamais venu, mais je trouve qu'effectivement il doit y avoir peut-être deux fautes originelles, une qui a engendré l'autre en fait. C'est le fait qu'effectivement le Liban est une construction pluricommunautaire qui aurait pu être effectivement un modèle de gestion de ce qu'on appelle entre guillemets là encore, parce que c'est un terme qui finit par nous dire des choses comme ça très consensuelles qui nous agacent depuis quelques mois dans ce pays, c'est le vivre ensemble. Bon, effectivement, mais malheureusement, c'était quand même un pays où le vivre ensemble était possible, mettre ensemble des gens qui finalement ne partagent pas la même histoire, les mêmes valeurs, les mêmes religions, les mêmes croyances. Et pendant longtemps, on a pensé que c'était faisable. Mais en réalité, c'était mal construit parce qu'on les a fait vivre ensemble, mais en accentuant, en mettant très en avant leurs différences, plus que ce qui les unit réellement. Donc je pense que la construction du Liban comme pays communautaire, avec ce système politique qu'on a appelé et sur lequel longtemps on s'est glorifié, comme si c'était un modèle incroyable, le confessionnalisme. C'est un pays qui est entièrement construit sur la répartition très très précise des postes de toute l'administration, du plus simple poste de planton jusqu'au poste de président de la République par confession. Alors c'est formidable parce que personne ne voit ses droits comme ça perdus, mais en même temps tout cela a été confisqué par les chefs de communauté. Alors ça c'est le premier vice. Et ces chefs de communauté, évidemment, tout cela a entraîné la guerre civile. Alors le deuxième péché, je crois, la deuxième faute originelle, qui est plus grave, c'est que tout cela aurait pu être corrigé parce que ça aboutit à une guerre civile, parce que c'était pas viable. Alors quand on est sorti de cette guerre civile, au lieu de résoudre le problème, au lieu de reprendre le problème à la base et d'essayer de comprendre pourquoi on en était arrivé là, on a fait comme si ne s'était rien passé. Et on a continué pendant 30 années à vivre comme si de rien n'était. Et je pense que c'est ça la vraie faute. Elle n'est pas originelle, puisqu'elle elle trouve sa racine dans quelque chose de plus ancien. Mais la vraie faute, le vrai désastre vient du fait que, une fois que la guerre civile était terminée, au lieu de faire comme tous les peuples qui veulent bien revivre en paix, on n'a pas relu notre passé. On n'a pas essayé de comprendre pourquoi on avait fait la guerre. On a fait comme si de rien n'était. Et on a continué pendant 30 ans. Et on sait pourquoi, simplement parce qu'en réalité, comme le disent de plus en plus les gens aujourd'hui, la guerre n'était pas finie. La guerre n'est pas finie en 1990, elle a continué pour une simple raison, c'est qu'on n'a rien résolu, on n'a pas essayé de faire notre mea culpa, on n'a pas eu de réparation, les gens qui ont disparu, les morts, personne n'a eu de réparation, une espèce d'amnésie totale, et qui évidemment s'est accompagnée de la reconduction des hommes de guerre en hommes de paix, soi-disant. Donc ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ce sont les gens qui ont fait la guerre pendant 15 ans, il y a 30 ans. Et donc quand on est dans cette logique où on donne aux gens qui ont fait la guerre de gérer la paix sans jamais se questionner sur les raisons de la guerre, il est fatal qu'on se casse la figure, en fait. D'autant plus que ces gens-là ont géré le pays comme ils géraient leurs milices, c'est-à-dire sur le clientélisme, la corruption et un esprit de mafieux qui a amené le désastre. Alors là, quand je vous écoute, j'ai l'impression
de lire votre livre en même temps, parce que je retrouve la colère qu'il y a dans votre livre, surtout dans la première partie du livre. Après, il y a d'autres registres qui entrent en jeu. Mais donc, cette colère que vous exprimez dans les pages du journal et qui alterne aussi avec cette extrême attention aux autres, je disais tout à l'heure. Et je me disais qu'on pourrait presque suivre la progression de la dégradation du pays en suivant la succession des pannes d'électroménager et autres qui interviennent chez vous, dans votre habitation. Et donc, je ne sais pas si je les ai là, successivement, machine à laver, climatiseur, fuite sous l'évier, coupure d'électricité. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau. Autrefois, l'eau, je le rappelle, c'était, on l'appelait le pétrole du Liban. Et aujourd'hui, impossible de retirer de l'argent à la banque. Alors, si je reviens au quotidien, c'est parce que, justement, ces deux fils de la colère et de la confrontation au tracas quotidien ne cessent de se tresser, avec des effets burlesques, parce que tout se détraque, et on sait que c'est le principe même du cinéma burlesque, le fait que les objets ne vous obéissent plus. Et donc, il y a la colère, il y a le désarroi, il y a aussi une poésie très mélancolique par moments. Quand je disais, vous n'êtes jamais seul, même quand vous êtes seul sur la terrasse de votre appartement en pleine nuit, dans le noir, vous repensez à un dîner sur cette même terrasse avec des amis français, Jean Rollin, l'écrivain Jean Rollin et Christophe Boltanski. Donc, voilà, il y a tous ces registres-là, et il y a les personnages. Dans un tel, vous voyez le professeur Tournesol, dans un autre, Jacques Tati, Gaston Lagaffe. Il y a le gamin qui vend des bouteilles d'eau en pleine manifestation au milieu des gaz lacrymogènes. Et puis, il y a l'apprenti du plombier. Et tous ces personnages sont des fragments d'humanité que vous faites entrer dans le livre et qui donnent vraiment le portrait du Liban aujourd'hui. Alors, j'aimerais juste qu'on s'arrête sur l'apprenti du plombier. Parce que le plombier vient pour réparer, je ne sais plus quoi, si c'est la machine à laver chez vous. Oui. Et il a un apprenti, mais qui vous intrigue. Oui, c'est une histoire qui s'est passée, mais il y a énormément d'anecdotes comme celle-là. Je vous remercie vraiment pour tout ce que vous avez dit sur la question de l'humanité, parce que finalement, l'effondrement, c'est l'effondrement qui touche les individus dans leur vie quotidienne. Et du coup, là, je pense que la meilleure façon de le faire sentir, c'était de faire sentir le vécu et d'une certaine manière, soit de décrire la manière avec laquelle ils ont vécu, soit de les faire parler, les gens qui vivaient ce désastre, qui le vivent tous les jours d'ailleurs encore. Et alors, j'ai reçu effectivement, d'ailleurs, moi je ne m'en suis pas tellement aperçu, c'est très bizarre, mais j'ai raconté tout ça, et c'est après coup évidemment, et puis dès la première interview, quelqu'un m'a dit cette chose, c'est que tout se dégrade, et on sent bien que dans la dégradation des objets, il y a la dégradation évidemment symbolique de tout le pays. Alors qu'en fait, quand on le vit, c'est simplement que les choses se détraquent, et que ça met en colère. Bien entendu, c'est le symbole de l'effondrement de tout le reste qui met en rage. Et une de ces choses qui se sont dégradées, c'était les vies. Alors ce que je disais, il me semble que j'ai dit à un moment donné que j'étais content que pour une fois, quelque chose se dégrade sans que ça ait rapport avec l'électricité. Parce qu'en fait, le plus grand symbole de l'effondrement de l'État, de la carence des voyous qui gouvernent ce pays, c'est le secteur de l'électricité, qui a bouffé des dizaines de milliards de dollars. C'est absolument invraisemblable. Et comme l'électricité, on le sait aujourd'hui, dans le monde contemporain, mais gère tout, l'électricité, là, il y a 5 minutes, vous ne l'avez pas remarqué parce que je me suis mis en 4G, mais il y a 5 minutes, l'électricité s'est coupée. Et j'avais pris mes précautions, sinon on aurait été coupés ensemble. Mais l'électricité, elle gère tout, et donc quand il n'y a pas d'électricité, tout se détraque. Et là, pour la première fois, il y a eu une panne qui n'était pas en rapport avec l'électricité. C'est l'évier, bon. Bon, vous êtes dit chouette. Le plombier. Oui, c'est chouette. Enfin, quelque chose d'original. Et l'évier, le plombier est venu. Mais le plombier m'a raconté une histoire. C'est lui qui m'a raconté une histoire complètement digne de Gaston Lagaffe. Et il avait avec lui un apprenti. Et généralement, les apprentis sont des jeunes à qui on apprend.
Et là, c'est un vieux monsieur plus âgé que. Et j'ai pas bien compris, j'ai rien dit, j'ai pas osé trop, parce qu'en plus, il faisait rien, cet apprenti. Il était là, il écoutait, il opinait. Et puis, à un moment donné, le plombier lui dit d'aller chercher des choses dans la voiture, il sort de la maison. Et à ce moment-là, le gars me raconte qu'il s'agit en fait de son frère aîné, qui, comme beaucoup de gens, a été mis au chômage, il n'avait plus de travail, il n'avait quasiment pas touché d'indemnité de fin de carrière, ou alors il les avait touchés, mais elle ne valait plus rien. Et donc, il était obligé de l'embaucher avec lui, d'abord pour le distraire de sa dépression, et aussi pour lui donner l'illusion qu'il faisait quelque chose, et donc pour lui donner un semblant de salaire. Et j'ai trouvé que c'était absolument terrible, cette histoire-là. Mais ce qui est invraisemblable dans l'histoire, c'est que c'était vraiment, pas tragique, on ne va pas dire tragique, mais c'était vraiment dramatique. Ce type-là était vraiment très triste. Son frère, lui, en revanche, il essayait de cacher tout ça par des anecdotes invraisemblables sur ce qu'il fait, sur la manière avec laquelle il fait exploser des canalisations. Et donc, ce qui était dramatique est devenu quasiment une histoire à la Gaston Lagaffe. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait de votre Beyrouth 2020, journal d'un effondrement. Chapitre 54, mardi 4 août, 18h07. Je travaille sur la terrasse où j'ai achevé le chapitre sur les préparatifs de départ de Sabine. Avant de poursuivre le suivant dont j'ai écrit les premiers mots, je me lève et m'apprête à rapporter à la cuisine une assiette de fruits que je viens de finir. Lorsque je reçois un message vocal. Je pose l'assiette sur une petite table et je lance le message que je commence à écouter debout. Soudain, le sol se met à bouger avec une violence incroyable, accompagné d'un affreux rugissement. Épouvanté, je sens la terrasse aller et venir comme une pauvre balançoire. Et je pense, évidemment, qu'il s'agit d'un tremblement de terre. L'esprit tétanisé, immobile au milieu du séisme, comme si le moindre mouvement pouvait accroître l'impression de perte générale de contrôle des choses, je ne fais rien d'autre que me dire « ça va finir, ça va finir, ça va finir ». Et je pense aussi les enfants. Ou encore, le béton est solide, ça va tenir. Le béton est solide, ça va tenir. Tandis que mon œil capte sans les gérer les informations sur les objets qui tombent autour de moi et se brisent au sol. Et puis ça s'arrête, d'un coup de rugir et de bouger. Je vais me précipiter à l'intérieur lorsque je suis à nouveau cloué sur place, submergé par le fracas interminable et monstrueux d'une énorme explosion. Et mes yeux, cette fois, se fixent sur ce paysage familier. Les arbres, les immeubles loin, tout ce que j'ai devant moi en permanence et qui semble, à cet instant, comme foudroyé par l'affreuse bande son qui s'est plaquée dessus. Quand cette horreur à son tour est passée, je cours enfin à l'intérieur en me rendant compte que je ne comprends toujours pas ce qui est arrivé. Tremblement de terre, d'accord, mais pourquoi cette explosion ? Ou alors, explosion, d'accord, mais pourquoi un tremblement de terre juste avant ? Sauf qu'il y a plusieurs gens. Il y a mes enfants, paniqués. Nadim, qui a du sang sur les jambes. Et ma femme qui les a réunis et qui les enserre de ses bras pour faire rempart à on ne sait quoi. C'est au bout d'encore quelques minutes de désarroi, de gesticulations fébriles, afin de trouver de quoi essuyer le sang de la très légère blessure de Nadim, de prendre, en évitant de marcher sur les bris de vitre, de l'argent et nos cartes d'identité, dans l'éventualité de devoir sortir pour ne plus revenir en cas de réplique, que les premières informations se mettent à nous parvenir, par message ou par téléphone. Parce que les communications n'ont pas été interrompues. Et que l'impensable se fait jour. Tous ceux que l'on arrive à appeler. Tous ceux qui déjà mettent des posts sur les réseaux sociaux ou qui lancent des appels au secours. Tout le monde, d'un bout à l'autre de la ville, semble avoir vécu les mêmes longues secondes de cauchemar. Et c'est bien cela qui est incompréhensible. Parce que chacun pensait que c'était sa maison. Son quartier. Sa rue qui était visée. Et on s'aperçoit que nous l'étions tous en même temps. Chapitre 57. Depuis mardi soir 4 août et jusqu'à aujourd'hui, ceci. Reina est aux soins intensifs, grièvement blessée. Jade a quelques blessures, mais il n'a plus de maison. Omar est blessé. Karim n'était plus au bureau au moment de l'explosion, ni aucun de ses employés.
heureusement, parce qu'il n'y a plus de bureau. Paula est sauve, parce qu'elle est entrée dans la cuisine de la permanence du parti quand tout a sauté. Mais Salam, qui était dans la grande salle, est blessée à la tête. Monique est blessée à la jambe. On l'a soignée à la va-vite, aux portes de l'hôpital, parce qu'il y avait des cas plus urgents. Un ami dentiste a fait des points de suture sans anesthésie à Nathalie, blessée au dos. La vénérable entreprise de Paula et Marwan est ravagée. La maison de Karine est soufflée. L'appartement de Sandra est en ruine, ainsi que celui de Pierre et Nada. Jean-Marc est mort. L'hôtel de Michel est dévasté. Les bureaux de Hatem sont en morceaux. Walid a soigné et suturé les blessures de son frère et de son neveu chez lui, au milieu des décombres. Les boutiques de Ralph ne sont plus que décombres. La maison de Sophie est en morceaux, ainsi que celle de sa mère. Le restaurant de Kamal est ravagé. L'atelier de Rabi n'existe plus et Rabi est blessé. Mishka est à l'hôpital, sévèrement blessée, mais elle va s'en sortir et son mari aussi. Les Moussa sont saufs, mais il y a eu un blessé chez eux. L'appartement de Mariana est très endommagé. Chantal a été blessée dans sa maison et sa mère est morte à ses côtés. Dans l'immeuble de Haïfa, deux personnes sont mortes. Le bâtiment où Marwan a son atelier risque de s'effondrer. Malak n'a plus de maison. Du magasin de Rosa Maria, il ne reste rien. La maison de Raïfé est en ruine. La mère de Marilyn est blessée. Les Coptis sont saufs, par miracle. On les a retrouvés sous les décombres de la belle vieille demeure qui s'est effondrée presque entièrement sur eux et on les pensait morts. La galerie Tanit n'existe plus. Les ateliers de Sarah non plus. Tia est légèrement blessée, mais sa maison est ravagée. La maison de Bertrand est détruite. Il s'en est sorti par miracle, et ses enfants de même. Mais la petite Alexandra est morte. April 8, 2020, 18h07, 5 secondes. L'explosion, la première double explosion ensuite dans le port de Beyrouth. Et alors, quand on lit votre journal, il y a cette césure, il y a ces 5 secondes qui marquent vraiment une césure entre ceux qui précèdent. D'ailleurs, avant le 4 août, la dernière notation du journal, c'est aujourd'hui le chiffonnier. Et puis on se dit, on connaîtra jamais l'histoire du chiffonnier. On s'était habitué à rencontrer tous ces personnages que vous rencontrez. On s'est dit, mais alors le chiffonnier, ce sera peut-être dans un autre livre, j'espère. Mais et on se dit, le journal aurait pu s'arrêter là. Et en fait, il s'arrête quelques jours et il reprend le 10 août. Alors, qu'est-ce qui vous a donné la force, le courage de reprendre ce journal une semaine après cette double explosion qui a ravagé non seulement le port de Beyrouth, mais on vient de l'entendre, une grande, grande partie de la ville. Écoutez, d'abord, je voudrais remercier Pierre et Violaine pour la lecture. C'est difficile de continuer à entendre ce texte. Bon, bref. Ce qui m'a poussé à l'écrire, en fait, quand l'explosion, enfin, quand tout ça est arrivé, pendant les 2-3 premiers jours, j'avais complètement oublié que j'écrivais un journal, bien entendu. Parce que je m'en rappelle très bien le moment où je me suis rappelé. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je faisais avant qui semble être 10 ans avant, quoi. Et là, j'ai rappelé que j'étais en train d'écrire un livre, en fait. Et je me suis aperçu aussi que... Enfin, je ne me suis même pas aperçu. C'est resté en suspens un moment, puis progressivement, bon, la vie revient. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Je vais arrêter, forcément, ce n'est plus la peine. J'avais discuté un petit peu avec Bertrand Pi des éditions Actes Sud, qui m'avait, lui, encouragé, et qui m'avait dit qu'il aimerait le publier, ce livre, avant. Hein, et je lui avais envoyé des extraits, et il avait trouvé ça très bien. C'était cette espèce d'effondrement lent, cette espèce du récit de l'effritement, comme ça, avec ces anecdotes. J'avais trouvé ça très, très, très fort, très original. Et donc, j'étais un peu engagé avec lui, mais je me suis dit, c'est pas grave, il comprendra qu'on peut pas, c'est terminé, c'est fini. Il y a une époque qui s'est terminée, là, c'est autre chose maintenant. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ce n'est pas, non, c'est trop facile. Je suis dedans, j'ai l'occasion de publier quelque chose dans lequel je vais pouvoir parler de cette horreur.
Parce qu'en définitive, il faut témoigner. Il faut témoigner, il faut raconter l'horreur. Et j'avais l'occasion, j'étais dans un processus de récit de l'intérieur. Et je me suis dit, il faut le faire, et essayer de restituer de l'intérieur cette expérience-là, en plus de toutes les autres. Et je l'ai fait. Alors, ce qui se produit depuis, ce qui s'est produit, et que je n'arrête pas de raconter, parce que je n'arrive pas, toujours pas à me souvenir, c'est qu'en fait, moi, quand j'écris n'importe... Si vous pouvez m'interroger sur n'importe quelle phrase de n'importe quel livre, de mes livres, même les plus anciens, je sais à peu près, et parfois parfaitement bien, où j'ai écrit chaque phrase et dans quelles circonstances. Et c'est une espèce de mémoire comme ça, qui est celle de l'écrivain, peut-être, je ne sais pas. Et là, dans toute la partie qui suit l'explosion, que j'ai commencé à écrire une semaine après, j'ai du mal à me souvenir dans quel état d'esprit j'étais, comment j'étais, où je me suis mis pour les écrire. Et je ne comprends pas comment me sont venus ces forces, pourquoi j'ai fait ces choix, pourquoi j'ai pris ça, je ne me rappelle pas. Je sais que j'étais pris par une espèce de désir de le faire, par une rage, une violence comme ça aveugle à l'égard de ce qui se passait. Et j'avais besoin de l'écrire. Et je l'ai écrit. Et quand je relis, je me dis, c'est miraculeusement puissant. Si j'avais voulu, si j'avais pris 6 mois de recul et que si j'avais pris 6 mois pour le faire, je ne l'aurais peut-être pas fait comme ça. J'ai l'impression que c'est très fort. D'ailleurs, les échos que j'en ai eus, notamment des gens qui ont vécu, qui étaient là, etc., sont tels que je me dis finalement, c'est une réussite. Alors, et j'aurais bien aimé que ce livre n'ait jamais lieu, bien entendu. Et je ne sais pas comment je l'ai fait, mais je pense que j'étais porté par cette espèce de rage, de violence, d'écœurement et de besoin de témoigner. Et c'est arrivé, voilà, je l'ai fait. Parce qu'il y a, le bilan de cette double explosion. Alors, on peut dire des chiffres, je les ai notés, enfin, vous les donnez d'ailleurs, 200 morts, 150 disparus, 6 000 blessés, 9 000 bâtiments endommagés, 200 000 habitations détruites. Ça, c'est un bilan de chiffres. Mais ce que vous faites, dans ce qu'on vient d'entendre, si magnifiquement lu par Pierre et Violaine, c'est que vous faites un inventaire humain de la catastrophe. C'est-à-dire que vous donnez des noms aux blessés et vous donnez des noms aux blessures. Vous rendez vivants et incarnés les chiffres effrayants de ce désastre. Et alors, quand j'ai lu, parce que bon, à l'époque, les journaux, oui, mais quand j'ai lu dans votre livre, cette explosion est due à 2750 tonnes de nitrate d'ammonium entreposées dans le port de Beyrouth depuis 6 ans. Et on se dit que même si un écrivain qui voudrait écrire un roman géopolitique de fantafiction, je ne sais pas comment dire, ne pourrait pas imaginer une histoire comme ça, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium entreposées dans le port de Beyrouth depuis 6 ans, qui sont là et personne... Enfin, et vous dites 6 années d'opacité et d'irresponsabilité. Écoutez, en fait, ce qui s'est produit, c'est que quand on y réfléchit, on a vécu 30 années dans le déni. En fait. On savait tous très bien que ce pays était gouverné par des corrompus, des pourris, des voyous en définitive, et que ça ne pouvait pas finir autrement. Et on a fermé les yeux parce que le problème, c'est qu'on avait une qualité de vie, un pays agréable à vivre, etc. Et que pour maintenir cette qualité de vie, on a fait semblant qu'il ne se passait rien et on a tout accepté. Mais je pense que dans les replis de la conscience de chacun d'entre nous, on savait que ça ne pouvait pas bien finir. Mais évidemment, on pouvait s'imaginer que ça allait finir comme ça avait commencé, c'est-à-dire cette espèce d'effondrement lent. Et ce qui est arrivé, c'est que d'un seul coup, cet effondrement lent s'est transformé, s'est métamorphosé en 5 secondes en un effondrement brutal et qui, lui, peut-être lui, plus que l'effondrement lent que je raconte au début, incarne précisément tout ce qui s'est produit. C'est-à-dire que tout ce qui s'est produit, c'est vraiment un condensé de corruption, de vol, de brigandage, d'une classe politique qui, pendant 30 ans, n'a fait que nuire à la collectivité. Et tout cela, je l'ai comparé finalement à un entassement de matière explosive dans les comportements, dans les manières, dans la mauvaise gouvernance, qui ne pouvait qu'aboutir à quelque chose qu'on dit, quand on parle métaphoriquement, d'explosif. Et bien, c'était vraiment explosif. Et je pense que cette explosion est venue comme une espèce de métaphore, mais alors somptueuse,
curieusement calamiteuse de ce que nous pensions tous que ça finirait de manière explosive. Et ça a explosé, mais alors au vrai sens du terme. Et ça, c'est... D'une certaine manière, ça n'a étonné personne. Enfin, bien sûr, ça a étonné, parce qu'on se dit que c'est pas possible d'en arriver à ce point d'irresponsabilité. Mais en même temps, on savait que c'était... que quelque chose devait arriver encore et encore, et voilà. Mais c'est... Il faut vraiment avoir une idée, bon, je l'ai raconté suffisamment dans ce livre, du degré de responsabilité, mais qui aujourd'hui prend encore des proportions. L'explosion a eu lieu il y a 9 mois, 10 peut-être même. Mais ça fait 10 mois que ces gens-là ne se sont pas mis d'accord pour un gouvernement. On n'a toujours pas de gouvernement depuis. Parce que le gouvernement a démissionné, il s'est aussitôt. Et depuis, ils n'ont pas réussi à composer un gouvernement pour gérer la crise, pour entamer un minimum de réformes, pour recevoir de l'aide internationale. C'est vous dire jusqu'à quel point ils sont dans une espèce d'autarcie criminelle qui ne peut que générer des choses pareilles. Vous parlez dans cette partie donc, du journal qui suit les explosions et qui prend, je disais tout à l'heure, d'autres tonalités, d'autres registres. Dans la première partie, on était dans une espèce de constat, de colère, mais aussi de quelque chose de dramatiquement comique ou surréel ou burlesque. Et là, on est dans un registre qui est plutôt celui d'une sidération, d'un arrêt et en même temps d'une frénésie d'aide, de solidarité aussi. Et vous parlez beaucoup de à quel point la société civile se mobilise, la jeunesse en particulier, alors que l'État est totalement absent. Et dans ces moments, on se demande, mais comment est-ce possible que justement des problèmes énormes qui sont connus, qui sont déclarés, répertoriés, etc., comment se fait-il qu'il n'y ait pas de solution possible. D'ailleurs, je voudrais juste ajouter, il y a dans votre journal la présence d'un autre journal, si on peut dire, c'est l'autothérapie que fait votre femme, qui est psychothérapeute, et qui dialogue avec elle-même en tant que thérapeute et patiente, pour dire à quel point l'accumulation des crises et le fait de ne pas trouver de solution à ces crises provoque un désespoir, une dépression individuelle et collective. Donc voilà, comment, avec tout ça, quel antidote trouver ? Et l'antidote, il y avait une solution à l'origine, c'était l'aide internationale. Parce que les gens qui nous gouvernent ont transformé ce pays en un pays qui vit des aides internationales, des aides internationales qui arrivent et qui sont très rapidement pillées d'ailleurs par ces gens-là. Alors la dernière fournée d'aides internationales qui devait arriver et sauver un petit peu l'économie qui était au bord du désastre à ce moment-là avait été conditionnée par l'engagement de réformes pour empêcher une fois de plus que cet argent disparaisse, on ne sait pas trop comment. Or la classe politique évidemment, elle n'était pas du tout disposée à faire des réformes. Donc elle n'a pas fait de réformes, on n'a pas reçu l'aide. Le pays s'est effondré, forcément. Et jusqu'à aujourd'hui, la communauté internationale continue à dire « On a 11-12 milliards de dollars qui sont là pour vous. » Mais d'abord, maintenant, entamez des réformes. Maintenant, on leur dit « Mais au moins, faites un gouvernement et entamez les réformes. On commencera à vous donner de l'aide. » Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Alors, évidemment, on sait pourquoi. Parce que ça ne les arrange pas du tout. Parce que si on commence à engager des réformes, ça veut dire que rétroactivement, on va voir où l'argent est passé, quelles sont leurs responsabilités. Et ça les entraînerait eux-mêmes dans des histoires judiciaires sans fin. Donc, ils ne font rien. Alors, quel est l'antidote ? L'antidote serait qu'effectivement, à un moment donné, des gens viennent entamer des réformes et que de l'argent afflue. Tant que ces gens-là sont là, ça ne va pas avoir lieu. Alors, quoi faire ? Et c'est ça le problème, c'est qu'on est dans un tunnel dont on ne voit pas le bout. Parce que tant que ces gens-là sont enracinés là, il ne se passera rien. Et ils sont là. Ils ne sont pas disposés à partir. Alors, vous me direz, mais les peuples se soulèvent. En général, on s'est soulevé une fois pendant 2 mois et demi. Ça n'a pas abouti pour une simple raison, c'est que cette classe politique... S'il y a quelque chose, vous savez, il y a un terme qu'on emploie beaucoup à propos du peuple libanais, c'est la résilience. C'est un terme qu'aujourd'hui on déteste, mais qu'on ne peut plus supporter parce que ça qualifie notre capacité à rebondir, on a assez de rebondir. Mais en revanche, il y a quelque chose qui est résilient dans ce pays, c'est la classe politique. Elle a une résilience extraordinaire, elle a une capacité à se refermer sur elle-même et à se défendre.
Et elle est appuyée malheureusement aujourd'hui par une milice armée du Hezbollah. Donc quand on a affaire à une classe politique extrêmement enracinée, qui joue sur les communautarismes, qui joue sur les dissensions religieuses, et qui est soutenue par une milice armée, il est très difficile de faire quelque chose, on se heurte à un mur. Alors l'unique solution, l'unique lueur d'espoir, c'est que dans un an, on a des élections législatives. Et que, évidemment, tous les mouvements issus de l'insurrection populaire sont en train de s'organiser pour mener les élections de front face à l'oligarchie politique. Et ça, ça pourrait être quelque chose de porteur, parce qu'on pourrait amener une grande majorité de gens de l'opposition. Et on le sait. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que cette classe politique est capable de deux choses. Soit d'annuler les élections, en disant « Oh, on ne peut pas les faire maintenant, c'est pas possible, la crise, machin, donc il n'y aura pas d'élections. » Soit elle trichera beaucoup et elle truquera les résultats. Donc il y a une solution en vue, mais très lointaine et ténue. Elle existe et on verra bien. Pour l'instant, je vous propose d'écouter un troisième, c'est le dernier extrait que nous allons entendre aujourd'hui de votre livre. C'est donc après, quelques jours, quelques temps après la double explosion du port de Beyrouth. Chapitre 66, 13 août. Je me suis réinstallé aujourd'hui pour la première fois à la place où je travaille habituellement, sur la terrasse, là où j'étais assis quelques secondes avant l'explosion, il y a 9 jours, quand je venais d'achever ce qui est devenu le chapitre 50 de ce livre et de tracer les premiers mots du suivant. Je ne suis pas revenu à cette table depuis que j'ai recommencé à écrire, non par superstition, mais parce qu'il fait très chaud. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai eu besoin de renouer le fil rompu du temps. Neila m'a dit qu'elle, en revanche, n'allait pas reprendre pour l'instant le récit de sa thérapie avec elle-même. Il y a d'autres impératifs. Elle offre toutes ses journées aux consultations urgentes, en plus de celles de ses patients habituels avec qui elle travaille sur le trauma récent. Les nouvelles demandes sont si nombreuses qu'elle croule sous le travail et me raconte que ce qu'elle entend à longueur de journée est terrible. Le désespoir et l'épuisement sont immenses, mais aussi la colère. Chapitre 67. Le 8 août, une foule vraiment immense a réinvesti la très vaste place des martyrs et ses annexes. 2 heures avant l'horaire prévu, des centaines de milliers de manifestants étaient déjà sur les lieux afin d'exprimer leur haine pour l'ensemble de la classe politique. Très vite aussi, les forces de sécurité, épaulées par de douteux supplétifs, obéissant aux ordres du président du Parlement, ont commencé à semer le désordre en lançant grenades lacrymogènes et balles en caoutchouc. Il est de plus en plus difficile de comprendre ce que ces forces de l'ordre tentent désormais de protéger contre la foule. Elles font barrage aux manifestants au pied des locaux dévastés du quotidien à Nahar et devant la carcasse de l'hôtel Legret. Le centre-ville dont elles empêchent l'accès est complètement en ruine. Il n'y a plus un commerce ni un magasin. Le Parlement lui-même est en charpie et l'État tout entier dont elles sont les représentantes n'est plus qu'un semi-cadavre. Le 10, le gouvernement est tombé. C'est le deuxième qui s'effondre sous les coups de la contestation et de l'insurrection sans que l'establishment mafieux qui l'a installé puis lâché n'en soit affecté. Durant la manifestation, une de ses anciennes patientes a sauté au cou de ma femme. C'est une jeune militante très engagée. Neila m'a raconté qu'elle était revenue de Grande-Bretagne pour fonder un comptoir de pâtisserie et une ligne d'épicerie fine, mais qu'elle avait pris la crise économique en pleine figure et avait pensé à plusieurs reprises à repartir pour l'étranger. Et puis l'explosion a détruit ses locaux. Après que nous l'avons quittée, elle est vraisemblablement restée tard le soir en première ligne avec les plus pugnaces face aux forces de sécurité et aux voyous qui les secondent. Montée sur les épaules d'un de ses amis, au milieu des grenades lacrymogènes, des tirs, des flammes, un masque sur la figure et une écharpe sur les yeux, selon ce qu'elle a raconté à Neila le lendemain, elle criait en direction des policiers bardés comme des bimins d'hommes. « Nous ne partirons pas de ce pays. »« Nous resterons ici. »« Nous serons de nouveau heureux. »« Nous rirons de nouveau. »« Et si les salauds que vous protégez ne partent pas, eux, nous irons boire. » Et danser sur leur tombe. Nous ne partirons pas, nous reconstruirons. Est-ce que
ce slogan, cette foi, est encore vivante aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a un désenchantement? Les deux, c'est-à-dire le désenchantement est là, certainement que pour la première fois, parce que je vous parlais tout à l'heure de ce terme qu'on ne supporte plus d'entendre pour nous qualifier nous-mêmes de la résilience, on ne veut plus rebondir, parce qu'on a assez rebondi, on a assez reconstruit, on repartait à chaque fois à zéro. On ne le veut plus, mais en même temps, on est bien obligé. Si on veut continuer à vivre, si on veut continuer, il faut qu'on reconstruise, donc on a reconstruit. Si vous venez à Beyrouth, là, aujourd'hui, vous verrez encore des stigmates, mais alors, elles sont infiniment moindres que tout ce qu'il y a eu comme destruction, parce qu'on a reconstruit. Il y a de nouveau, dans les rues qui ont été détruites, étaient des rues très, très vivantes, très animées le soir, etc. Elles recommencent aujourd'hui à être de nouveau animées, les bars ont rouvert, etc. Vous dites, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Il y a certainement une volonté de vie. Il y a en tout cas un refus de mourir, hein, ça c'est évident, de ce pays. Mais en même temps, donc, on reconstruit, on repart. Les slogans sur le fait qu'on ne partira pas, évidemment, sont très idéologiques. Mais en même temps, on reste et on construit. Mais beaucoup, beaucoup de gens sont profondément désespérés. Il y a une espèce de un trauma qui n'a pas été surmonté. Il y a une blessure très forte et il y a un énorme découragement et certainement un désenchantement. Donc, énormément de gens partent quand même. Il y a énormément de gens qui partent. Des secteurs entiers sont affectés par le départ, notamment le secteur hospitalier aujourd'hui. Un nombre considérable de médecins et d'infirmiers sont en train de partir. C'est inouï. Mais donc, désenchantement, donc brisure quelque part à l'intérieur de chacun. Mais il y en a qui ne veulent pas partir, qui restent et qui sont forcés de reconstruire avec l'espoir qu'un jour, on pourra recommencer à vivre normalement dans ce pays. Sharif Majdalani, on arrive au terme de cette rencontre et ma dernière question sera très brève et ça demanderait une réponse très longue, mais quand on dit souvent que la réalité dépasse la fiction, mais que peut le roman, que reste-t-il au romancier quand justement, la réalité dépasse la fiction, comme ça a été le cas dans ce que vous venez de vivre. Et je pense que la réalité dépasse la fiction, on est sidéré, mais après, il y a du recul, et le recul permet d'analyser, de comprendre, et après, de décrire aussi la manière avec laquelle tout cela a été géré par l'humain, les humains que nous sommes. Et je pense qu'à un moment donné, le roman peut prendre le relais pour raconter l'expérience du désastre avec un peu plus de recul, un peu plus d'analyse, et pour essayer de comprendre et peut-être aussi d'une certaine manière de désigner les responsabilités. Donc je crois que la fiction, en tout cas, peut encore avoir un rôle. Il est évident que pas immédiatement. C'est pour cette raison que beaucoup de gens m'ont dit « Mais comment tu as écrit un livre sur la catastrophe et pensant que j'avais écrit un roman ?» Je dis « Mais on ne peut pas écrire un roman une semaine après. » Mais un an, deux ans après, effectivement, tout cela peut devenir matière romanesque. Attention, pas matière romanesque pour faire du roman, pour vendre des livres, mais pour donner au roman sa véritable fonction, c'est-à-dire analyse, exploration et tentative de compréhension, et surtout tentative d'interroger et de donner du sens au désordre dans lequel nous sommes. Eh bien, Sharif Majdalani, en attendant votre prochain roman, je vous remercie de cette heure que vous nous avez offerte. Je ne peux que recommander très, très chaleureusement et vivement la lecture de Beyrouth 2020, journal d'un effondrement aux éditions Actes Sud. Je remercie Violaine Schwarz et Pierre Beau, évidemment, pour leur très, très belle lecture. Et puis, je vous donne rendez-vous samedi prochain, 12 juin. J'aurai le plaisir d'être là de nouveau avec Dali Farah pour son deuxième roman qui s'intitule Le Doigt aux éditions Grasset, et vous retrouverez aussi Violaine Schwarz qui sera la lectrice d'extrait du roman de Dali Farah. Merci, merci, merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Francesca, merci Violaine et Pierre. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.